شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le mois de Ramadan, c'est un mois de soumission. Beaucoup des fois, nous pas réaliser, mais carrément, nous pas arrêter de manger, boire pendant ce mois-là. Et tout au long de la journée, nous pas arrêter de manger, nous pas abstenir de quelque chose qui est halal. Qui fait nous peut faire ça? Par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, comme si de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pas poser nous mêmes questions. Est-ce qu'il m'a pu gagner faim? Est-ce qu'il m'a pas pu gagner faim? M'a pu gagner travail? Non! Nous soumettons totalement à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si nous ne pouvons pas soumettre à rester loin avec quelque chose qui est halal, quelque chose, nous avons une basic needs, même une nourriture, mais qui fait nous pas capable de rester loin avec quelque chose qui, à la fin, défend nous? Allah subhanahu wa ta'ala, il donne beaucoup de l'exemple du Coran, de la soumission de la prophète. Par exemple, Yusuf alayhi salam, il s'est resté loin avec tentation d'une madame, il s'est accepté, préféré à la prison que sa tentation-là. Qui fait pour être capable de soumettre à la cause d'Allah? Nous avons aussi le prophète Ismaïl alayhi salam, lui aussi il s'est soumis sur la vie même quand ce papa fait l'iconie, Ibrahim alayhi salam, il fait l'iconie qui il fait un rêve, côté des pétroles, lui-même, pays gauche, Ismaïl alayhi salam. Donc, il fait une soumettre lui-même sur la vie, il met pour la cause d'Allah. Donc, ben, sahaba aussi, nous trouvons qu'ils étaient aussi, soumettre à la volonté divine et aussi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même dans quelque chose qui n'est pas un règlement de din, mais dans quelque chose mondaine. Par exemple, nous avons Anas radiallahu anhu, il n'est pas si content de manger au monde. Mais quand il finit apprendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est content de manger sa légume là. Alors, il fait une soumette lui-même et il fait une commence contentement sa légume là. Donc, à quel point, man sahaba, je te soumets eux-mêmes pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir et pour faire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plaisir. Alors, ô toi jeune, qui peut empêcher-toi de soumettre et sacrifier de man désir de pornographie, de jeu du hasard, la drogue? Ô toi sûr, qui peut empêcher-toi pour qu'il te soumette et sacrifier tes désirs de l'indécence ou d'infidélité? Ô toi frère, qui peut empêcher-toi pour soumettre et sacrifier tout pour qu'il te capable de faire tout te soit là dans ce lire. Oh, ou grand immune, qui peut empêcher ou soumettre et crase ou neuf, crase ou égo et réunir relation familiale avec celui qui vous fait une casse sur relation. Côte nous bannes frères et nous bannes sœurs qui se peuvent suivre l'exemple de bannes prophètes et bannes sahaba qui finissent totalement, de finissent soumettre totalement à la cause d'Allah, de finissent contrôler ce désir, ce neuf. Bannes frères et bannes sœurs, n'a pas associé, n'en lien avec Allah, soit d'Allah, n'a pas mettre les autres bondiers ensemble avec Allah, nous égaux, nous richesses, nous intelligence, nous désirs. Pareil que moi, nous finissons sacrifier nous-mêmes pendant le Ramadan, nous finissons abstenir de manger, boire, à nous maintenant abstenir de tout mal et soumettre nous-mêmes pleinement à Allah. Et en retour, qui nous gagner, Allah subhanahu wa ta'ala, il promet nous dans le Coran, qui dépouille de nous, je note celui qui les déboute, les pire le jour qu'il est besoin avec Allah et les retenir sur neuf et en retour, les bougaient, je note. Jazakum Allahu khairan, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والحمد لله رب العالمين.